tous en ligne, les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 148. La cadette remplace l'aînée. Le ministre d'État Mao de Ye était de fort humble extraction. Son père gardait les vaches. En ce temps-là, un certain Zhang, d'une vieille famille du pays, avait fait aménager un nouveau cimetière sur l'adret d'une colline de l'Est. Quelqu'un qui passait de ce côté y avait surpris des éclats de voix. « Décarpissez au plus vite, n'encombrez plus ce terrain, c'est une résidence de dignitaires. » Zhang l'apprit sans vraiment y croire, mais il fit ensuite le même rêve prémonitoire à plusieurs reprises. « Ce terrain occupé par ta famille est en fait réservé à la dernière demeure de M. Mao. Comment vous permettre de l'usurper plus longtemps ?» Divers incidents de mauvais augure se multiplièrent dès lors dans sa maison. Les amis lui conseillèrent de transférer les sépultures, ce qu'il fit. Un jour, le père du futur ministre menait paître ses bêtes sur l'ancien cimetière des Zhang lorsqu'il fut surpris par la tempête. Il s'abrita dans une fosse abandonnée. La pluie qui tombait à flots se déversa en trombe. L'eau s'engouffra en mugissant dans la cavité qui se remplit si rapidement qu'il fut noyé. Le futur ministre n'était alors qu'un enfant. Sa mère se rendit chez les Zhang pour mendier un bout de terrain où enterrer son mari. Grande fut la surprise de Zhang en entendant le nom du malheureux. Il se rendit en personne sur le lieu de l'accident. C'était exactement l'endroit réservé au cercueil vu en rêve. Plus impressionné que jamais, il le fit enterrer dans l'ancienne fosse et pria la femme de lui amener l'orphelin. Les funérailles terminées, la mère vint avec son fils remercier le donateur. Le jeune garçon plut du premier coup d'œil à Zhang, qui le garda chez lui et lui fit apprendre à lire, le traitant comme l'un de ses enfants. Il se proposait même de lui donner pour épouse sa fille aînée. La mère Mao, effarée, n'osait accepter. Elle finit cependant par y consentir, comme la femme de Zhang lui répétait que c'était chose promise sur laquelle il n'y avait aucune raison de revenir. La jeune fille, elle, ne cachait pas le mépris qu'elle éprouvait pour cette famille de miséreux. Elle donnait libre cours à son ressentiment, tant en paroles que par son attitude méprisante. À la simple mention du mariage, elle se bouchait les oreilles et répétait à tout bout de champ « plutôt mourir que se donner à un fils de bâcher ». Le jour fixé pour le mariage, le fiancé s'était joint au banquet, tandis que le palanquin attendait à la porte. La jeune fille sanglotait dans un coin, le visage enseveli dans sa manche. On avait beau la presser de procéder à sa toilette, elle s'y refusait. Les exhortations répétées restaient vaines. Un moment plus tard, le fiancé prit congé et s'apprêta à partir dans le vacarme de la fanfare qui jouait de plus belle. Mais la promise n'en continuait pas moins à verser des torrents de larmes, la chevelure en bataille. Le père dut retenir son gendre et entrer raisonner lui-même sa fille. Elle sanglotait sans rien vouloir entendre. Usée de contraintes, c'était provoquer des pleurs si violents qu'elle en perdait la voix. Le père ne savait plus que faire. Un valet revint lui annoncer que le fiancé était sur le point de partir. Le père sortit précipitamment lui dire que sa fille n'était pas encore tout à fait prête et de bien vouloir attendre un moment de plus. Il retourna aussitôt la sermonner. D'incessantes allées et venues allongeaient un délai qui ne fit qu'aggraver la situation. Impossible d'amener la jeune fille à récipiscence. À bout d'expédients, acculée à cette situation sans issue,
le père en arriva à songer à se donner la mort. Sa fille cadette prit son parti. Elle donna tort à sa sœur et la poussa sans relâche à céder. Celle-ci rétorqua vertement. « Alors toi aussi, petite gueuse, tu te ranges de leur côté et te mets à m'en rebattre les oreilles. Vas-y donc toi-même, épouse-le. Papa ne m'a pas promise à Monsieur Mao, sinon je serais déjà montée dans le palanquin, sans avoir besoin d'y être encouragée par ma grande sœur, » répliqua la cadette. Ce genre de cinglante réplique donna au père l'idée de remplacer l'aînée par la petite sœur. Il en parla discrètement à leur mère. Celle-ci se tourna donc vers la petite. L'infâme rebelle refuse d'obéir à père et mère. « Nous souhaiterions que tu prennes la place de ta sœur. Tu le veux bien, ma chère enfant ? Serait-ce chez un mendiant que mon père et ma mère me demanderaient d'aller, je me garderais de leur désobéir, » répondit la cadette, sans cacher son inclination. « D'ailleurs, pourquoi serait-il destiné à mourir de faim, ce jeune homme de la famille Mao ?» Fort aise de cet acquiescement, les parents lui firent endosser la toilette de l'aîné. Elle monta en hâte dans le véhicule qui l'emporta vers son mari. Les nouveaux époux se plaisaient et formaient un couple harmonieux. Le seul nuage était la calvitie dont souffrait la jeune femme, pas vraiment au goût du mari. À la longue, la rumeur de l'interversion des sœurs filtra jusqu'à lui. Son admiration pour la femme qui avait su l'apprécier n'en sortit que renforcée. Quelque temps plus tard, il obtenait le baccalauréat et se présentait au concours triennal de l'enceinte d'automne. La licence. Son chemin passait par l'auberge du domaine de Wangshe. La nuit précédente, l'aubergiste avait fait un rêve. Un être divin lui avait annoncé qu'il aurait le lendemain la visite du premier lauréat Mao, lequel le sauverait plus tard d'un grave péril. C'est pourquoi il scrutait l'horizon à l'est dans l'attente du client qui viendrait de cette direction. Il se réjouit de le voir arriver et le traita magnifiquement sans accepter de paiement. Il en expliqua la raison à Mao en lui racontant ce rêve exceptionnellement faste. Ce dernier en éprouva une certaine infatuation, et, songeant aux cheveux clairsemés de son épouse, s'inquiéta de s'exposer au ridicule lorsque lui-même deviendrait une personne illustre et elle une noble dame. « Ne vaudrait-il pas mieux changer de femme sans plus tarder ? » se demanda-t-il. Lorsque les résultats furent affichés à l'issue des épreuves, il se trouvait parmi les premiers recalés. Abattu et dépité, il traînait les pieds en soupirant. Il évita de repasser par le domaine de Wangshe, trop honteux de lui-même pour décevoir l'aubergiste. Trois ans plus tard, il tenta à nouveau sa chance aux examens. L'aubergiste lui réserva un accueil aussi chaleureux que la première fois, au grand étonnement de Mao. « Alors que votre prédiction ne s'est pas vérifiée, je suis confus. Les services infernaux vous ont rayé de la liste parce que vous vouliez en votre fort intérieur changer de femme. Ce n'est pas que j'aurais fait un rêve insensé qui ne serait pas appelé à se réaliser. » Effaré, Mao lui demanda ce qui lui permettait de parler ainsi. L'aubergiste répondit qu'il avait revu son dieu en rêve, après le départ de Mao. De stupeur,
ce dernier se tenait aussi raide qu'une idole de bois. Il faut vous en repentir, et vous finirez par être reçu premier lauréat, lui dit-il, rassurant. Peu après, Mao sortait en tête de liste. Les cheveux de sa femme se remirent à pousser, au point de lui permettre de rouler de noirs chignons qui ajoutaient beaucoup de charme à sa personne. Sa sœur aînée avait épousé le fils d'une riche famille du village, un garçon fat et arrogant. Dissipé et paresseux, il n'eut de cesse qu'il n'ait entièrement dilapidé son patrimoine. Il n'y avait même plus de quoi allumer le feu tant sa maison était démunie. De savoir heureuse sa sœur cadette, bonne et loyale épouse, ajoutait à la honte de l'aîné. Les deux sœurs s'évitaient, chacune suivant son chemin. Le mari de l'aîné mourut peu après, laissant sa famille ruinée. Quelque temps plus tard, Mao obtenait le grade de docteur. À cette nouvelle, la sœur aînée éprouva un dépit si cuisant qu'elle décida de se faire nonne bouddhiste. Lorsque son beau-frère revint au pays, alors qu'il était premier ministre, elle leur envoya à contre-cœur une novice prendre de leurs nouvelles, cela dans l'espoir de quelques dons. La cadette offrit des pièces de soierie et y glissa de l'argent à l'insu de la novice. Quand celle-ci revint les apporter à la supérieure, la nonne, déçue, grommela qu'elle n'avait que faire de ce genre de tissu cérémoniel, alors qu'un peu d'argent les aurait aidés à subvenir aux dépenses quotidiennes de riz et de fagots. Elle lui donna l'ordre de les rapporter. Mao et sa femme se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Ils comprirent la raison du refus quand ils ouvrirent les paquets et s'aperçurent que l'argent n'avait pas été touché. Le ministre le montra en riant à la novice. Incapable de s'assurer le bonheur d'une centaine de taëls, comment ta maîtresse aurait-elle pu garder la chance d'épouser un premier ministre? Il en rendit la moitié à remettre à la nonne, en ajoutant « Prends toujours ça pour les besoins courants de l'ermitage. Je crains que la chance de ta maîtresse ne soit trop fragile pour en assumer davantage. » À son retour, la novice rapporta ce qui s'était passé. La nonne resta muette, mais, soupirant, songea au retournement de situation, à la recherche du meilleur et au rejet du pire. En quoi cela dépendait-il de la volonté humaine? Par la suite, l'aubergiste fut arrêté et jeté en prison dans une affaire d'homicide. Il fut relaxé grâce à l'intervention du premier ministre, qui réussit à le disculper. Le chroniqueur de l'étrange. Que l'ancien cimetière de la famille Zhang soit destiné aux Mao est déjà bien assez surprenant. Que le mari de l'aîné devienne celui de la cadette, que le premier lauréat précédent soit devenu le suivant, sont autant de plaisants propos que j'ai maintes fois entendus de la part de mes contemporains. Mais quelle perspicacité ne fallait-il pas avoir pour le prévoir? Hélas! Le ciel azuré est resté longtemps sourd à ce genre d'interrogation. Pourquoi avoir attendu ce monsieur Mao pour y apporter une réponse retentissante ?